Monsieur Ismaël. Bonsoir frère. Comme le précédent, c'est la même chose. Vous posez une question, des fois vous écoutez. À son tour de vous répondre, par contre nous le voulons avec la Bible. Et ici, on est question de réponse sur la Bible. Et si vous détenez les propos, que vous n'avez pas les ressources publiques ou coraniques pour soutenir, nous serons obligés de vous prendre le micro et de vous avec vous. Et si, question de réponse, une petite bonne réflexion, vous pouvez demander de débat coranique au public. Ok frère? Oh merci. Bonsoir, cher frère. Bonsoir. D'abord, je vous remercie. J'ai des questions. D'accord, on t'écoute. On va commencer. D'abord, je vous remercie. Parce que vous vous basez sur la Bible pour répondre aux questions. Ok. J'ai fait une phrase. Et cette phrase, on dit que ça se trouve dans la Bible. Concernant la phrase, je vais vous poser la question. Ainsi de suite, les questions vont suivre. J'ai appris selon les gens que selon que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils aimé. J'aimerais savoir vrai ou faux. Vrai? Ok. La question suivante. Selon la Bible, qui est Jésus? Les dieux. Vous dites qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Qu'il est Dieu, je vous écoute, n'est-ce pas? C'est ce qu'il vient de dire. Ok. Donc, selon il y a la Bible, combien de manières de dire? Ok, merci. Encouragez mon frère. Merci, mon frère. Selon la Bible encore, qui est Marie? Marie, c'est la mère de l'ange. C'est la mère de l'homme Jésus. Voilà. La mère de l'homme Jésus, je ne vous suis pas. Aïe. C'est la mère de l'homme Jésus. C'est à dire, moi je ne comprends pas en fait. Mais aïe, si tu n'as pas compris, c'est là, non on a compris. Amen. Et les saints ont compris. Amen. Bien. Bon, je viens te voir. Quand vous ne criez pas, je viens vous voir que j'ai un mal. Je vous explique mon mal. Vous devez trouver des remèdes pour moi, n'est-ce pas? Attention. Je reprends encore. Selon la Bible, qui est Jésus? Aïe, on a dit les dieux, t'as quel problème? Ok. Selon la Bible, qui est Marie? Elle est la mère de l'homme Jésus. Amen. Vas-y, frère. Répondez sincèrement, on va avancer. Alphonse, ne peut pas expliquer ça. Amen. Alphonse, ne peut pas expliquer ça. Alphonse, ne peut pas comprendre ça. C'est à dire. C'est-à-dire ta pensée ne peut pas comprendre ça. C'est ça. Ta pensée ne peut pas comprendre ça. Comment? Selon la Bible, Allah, c'est le diable. C'est ça. Vas-y frère, à la base, Allah c'est Satan. C'est ça. Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a créé les cieux, oui. La tête, tout l'univers, oui. C'est ça. Monsieur. Celui qui a créé Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Vas-y frère. C'est ça qu'il s'agit. Viens en frère. On n'est pas des démons. Vas-y, il est là. Il est là. Calmez-vous, monsieur. Non, vous avez commencé à saboter. Ne sabote pas, hein. Moi, je vais vous saboter. Ne sabote pas. C'est maintenant ça. Allez, tu ne veux pas te déclarer. Tu veux te cacher. Ah, non, montre ton identité. Voilà. Ça sort. Et puis, tu attaques mon Dieu, j'attaque ton Dieu. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Non, non, toi, parle de Jésus, moi, je parle de Allah. Le Coran est là-haut. Donc, je vais te montrer ton Dieu, là, faux Dieu. C'est ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne soyez pas excité, monsieur. Moi, je suis excité, hein. Si. Moi, je suis relax. On n'a pas parlé d'Allah. On n'a pas parlé d'Allah. On parle de lui, attends. Toi, tu viens de quelqu'un, tu parles sur ma paix, tu es sur ma paix, n'arrête de regarder. Calmez-vous. Il y a pas de son papa aussi. Calmez-vous. On m'a donné les principes ici, on a le but à l'école. Oui. Je respecte les principes. Oui. Alors que vous ne respectez pas les principes. Non, tu me poses question, t'as pas une question, non? Je souhaitais donner une réponse là d'abord. Non, il n'y a pas de réponse. Vous avez parlé d'Allah. Alors, oui, ça n'a rien à voir avec ça. Si c'est dedans. Donnez-moi ce passage. Quelque chose. Passage de quoi? Allah dans la Bible. Attends, passage de quoi? Vous avez parlé d'Allah, pourtant on parle selon la Bible. Oui. Donc donnez-moi Allah dans la Bible. Allah quoi? Son nom Allah là. Vous avez parlé d'Allah. Où c'est écrit Allah? Donnez-moi ce passage. Donc Allah n'est pas dans la Bible alors. Moi, c'est un faux Dieu. Voilà. C'est ça que je parle.
il a respecté le principe, s'il n'est pas respecté. C'est que c'est un faux Dieu. Calme-toi, si parle de la Bible, c'est que c'est un faux Dieu. Calme-toi, champion. Parle, faut parler sur un sujet que tu maîtrises. Sinon, tu vas faire un sujet, moi, te donner deux. Oui, oui, donne sujet là. Tu maîtrises la Bible, n'est-ce pas? Tu m'as dit la Bible, monsieur, oui ou non? J'ai dit, je t'écoute. Quelle est ta question? C'est pas ma question, tu me dis que tu m'écoutes. Tu m'as dit la Bible, quelle est ta question? Donc, donne le micro, hein? Ils sont pas, hein? Bonjour. Ils sont pas aussi. Faut des caméras. Hein? Faut des caméras, voilà. Tu prends ta question. Tu prends ta question. Peut-être, hein? Ici. Ah, s'il vous plaît, vous, c'est important, ce qui fait important, vous voulez le comprendre aujourd'hui, donc calmez-vous, arrêtez le bruit, calmez-vous. Je crois que ce qu'il veut faire, c'est un débat. Non, c'est pas un débat. Non, attends. Question. Si tu veux, tu poses question, tu nous laisses répondre. Si tu veux, tu poses une question, oui. Tu nous laisses répondre. Voilà. Tu finis de répondre, voilà. Tu poses une autre question. Merci. Voilà, si tu te charges comme ça, on ouvre le débat. On ouvre le débat. Non. Et chacun son temps d'intervention. Oui, il ne veut pas le débat. D'accord. Voilà. Et c'est pas encore. Oui, on fait le débat. On répond ouvert à l'avance. On t'écoute. Ok. Selon la Bible, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Voilà. Maintenant, selon toi, il est qui? Voilà. Selon toi, il est qui? Voilà. Calme-toi. Non. Selon toi, il est qui? Moi, je pose la question. Je veux savoir ta pensée. Pour te répondre là. Je veux savoir ta pensée. Non, c'est pas ce qu'il est. Il est non. Dans le principe. Moi, je veux savoir ta pensée. C'est pas ce qui. Selon toi là. Un peu bien ici. Selon toi là, Jésus est qui? Non, je vois tes principes, s'il te plaît. Attendez. Frère, donne-lui le micro. Selon. Tu caches quoi? Tu appelles quoi? Il est caché. Tu appelles quoi? Rien. Selon toi là, Jésus est qui? Selon moi. Oui. Selon moi. Oui. En tant qu'un musulman. Oui. Dans le Coran, Jésus est un messager oui. Et un prophète de oui. Dieu. Donc c'est la limite. C'est pas limite. Donc c'est la limite de Jésus quoi. Donc il n'est pas Dieu. Attends, donc il n'est pas Dieu alors. Non, il n'est pas débat. Oh, écoute-moi, c'est pas débat. Donc il n'est pas Dieu alors. Il n'est pas Dieu. Voilà, ça on veut l'entendre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, on va t'aider. Tu ne peux pas m'aider. Tu es venu poser une question, non? Voilà, et si je pose la question, on va te répondre maintenant. Non, ça va être un débat. Tu n'es pas Dieu. Je ne veux pas faire débat. On va te montrer qu'il est Dieu d'abord. Non, calme-toi. On ne va pas arriver là-bas, au fait. Bon, quelle est ta question? La suivante. Non. Quelle est ta question à laquelle on doit répondre par les Écritures? Quelle est ta question? Ma question? Oui. Selon la Bible, qui est Marie? Attends, c'est pas question par question. C'est ce qu'il a dit. On parle de Jésus ici d'abord. On parle de Jésus. Tu as déjà répondu. Non, il a répondu. Tu dis n'est pas Dieu. Attends. C'est fini. Tu dis n'est pas Dieu. On va te. Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es d'accord, Jésus est Dieu? Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu? Attends, non, suppose pas. Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu? Question. Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu? Si je réponds, il y aura un débat. Attends, non, c'est pas débat. Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. D'accord. Donc nous, on va te montrer qu'il est Dieu. Prends le micro. On va prendre le Coran. Et c'est le Coran qui va nous donner son identité. C'est ça. Vas-y. On va prendre le Coran. Et puis le Coran va montrer l'identité de Jésus. C'est le Coran qui a montré qu'il est Dieu. C'est le Coran qui a montré que Jésus est Dieu. Soit 3:45, disons. On va te montrer dans ton Coran là. Faut venir. Tu vas où? Tu vas où? Viens. Faut venir, on te montrer dans ton Coran là. Tu vas où? Tu appelles quoi?
pas l'ivoire. Ah, on n'a pas Bible seulement. On va laisser votre livre là, c'est lui, c'est vous parler. Venez, c'est votre livre, on va prendre. Donc, on n'a qu'à parler Bible, ce qu'il y a pour vous là. Il y a quoi là pour vous là? Question. Vous n'avez pas de quoi dedans. Question. Vous n'avez pas de quoi là pour vous là. Question. On ne sait plus. On prend ton livre même. Et quand tu es témoin dans ton livre là, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est fanatique. Si tu es parti, il faut partir. Il ne faut pas créer le désordre. Tu es venu demander, poser une question sur Jésus. On dit les dieux qui n'est pas Dieu. Mais ton livre, ça va utiliser. Voilà. Pour nous, là, tu ne crois pas pour nous. Tu crois pour toi. Voilà. C'est la pourtant de montrer qu'il est Dieu. C'est ça. Tu ne veux pas. Je ne sais pas. C'est bon. Il faut arrêter le désordre. Il faut arrêter le désordre. Et j'en sais quoi. Il faut arrêter le désordre. C'est ça on va utiliser. Voilà. T'es marqué. Quand ils sortent là, ils n'utilisent jamais les livres. Hein. Jamais. Toujours ces Bibles. Ah. Toujours Jésus est comme ça. Ah. Toujours la Bible a dit. Ah. Mais le Coran dit quoi? Question. Vous cachez quoi dans le Coran? Si tu es musulman, tu sors, tu dois prêcher. Mais vous cachez quoi dans le Coran? Question. Il y a quoi qui est mort, mais vous ne parlez pas de ça. Question. Et puis c'est Bible, Bible. Arrêtez bon, les TD. Le Coran est revenu. Arrêtez écoutez, les TD. Écoutez. Écoutez. Arrêtez les TD. Écoutez, écoutez. C'est ici, ça se passe. Arrêtez les TD. Pardonnez. Écoutez pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, les musulmans ont un problème. Ils n'aiment pas qu'on pénètre leurs livres. C'est leur problème. Ils n'aiment pas qu'on ouvre les livres. On ne sait pas de quoi ils ont peur. Qu'est-ce qui est mauvais dans les livres là? C'est ça. Qu'est-ce qui est mauvais dans les livres là? Je crois que si quelqu'un est sincère lui-même, oui, tu poses une question. On dit, on a été ton livre, tu dois être réjoui. Oui. C'est ça. On ouvre ton livre. Parce que c'est ton livre de foi. C'est voilà. Ça. Mais le gars, il refuse et fuit. C'est-à-dire qu'il se reproche quoi? Il se reproche quoi? Il se reproche quoi? Et ils sont tous comme ça, tous les musulmans. Ils n'aiment pas qu'on pénètre le livre. Parce que le livre est rempli de saleté. C'est ça. Vas-y, il n'y a rien dedans. Ouais. C'est un livre qui est vide. Voilà. Maintenant, quand il dit que Jésus n'est pas Dieu, on dit, nous, on va prendre ton livre là. On va te démontrer dans ton livre là que Jésus est Dieu. Voilà. Amen. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. Quand le diable s'est en mission là, quand le diable s'est en train de s'arrêter là, Dieu l'oblige à dire la vérité sur Jésus-Christ. Parce que Allah c'est Satan. Voilà. Mais il est obligé de dire la vérité sur Jésus-Christ. Et c'est dans le Coran. Voilà. Et Allah même a pris les attributs de Jésus, merci lui. Voilà. Tout ce qui revient à Jésus là, la mission c'est lui. Et il n'est pas Coran. Il n'est pas Coran. Et font boileau. Tu fais boileau, quand tu fais boileau, tu ne comprends rien. Même enfant de 2 ans, fait boileau le Coran sans rien comprendre. Donc boileau n'est pas dit que tu as compris. Hein? Boileau n'est pas dit que tu as compris. Hein? Il faut boileau. On va lire le Coran pour vous. Le Coran est dit que si tu n'as pas compris le Coran, il faut nous poser une question. Non, on va te répondre. Disons la sourate 10-14. Si toi tu es musulman là, tu n'as pas compris le Coran, c'est non, on va t'expliquer au Coran. Est-ce que Allah a dit aux musulmans?
Soit 10. Soit 10, 94. 94. Oui. Et si tu es en doute. Et si toi le musulman qui est en doute. Si ce que nous avons fait descendre sur, sur le Coran. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, la Bible. Interroge les chrétiens. Voilà. C'est eux qui vont t'expliquer le Coran. Dans le Coran là, c'est rempli comme ça la divinité de Jésus-Christ. Amen. C'est rempli dans le Coran comme ça. C'est parce que eux, ils ont fait boileau, donc ils n'ont pas compris. Et ils ont récité seulement, sans chercher à comprendre. Sans chercher à comprendre. Mais rentrez. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et le Coran démontre la divinité de Jésus-Christ. On lit la sourate 345. On lit deux versets seulement. Et puis on continue la question. Le temps avancé. Il y a beaucoup de questions vraies. On dit deux sourates et puis on va avancer. Sourate 345. On n'a pas le temps pour toi. Et un peu pas sourate 28-10. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Quand les anges disent. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. La parole d'Allah. C'est la parole d'Allah maintenant qui est annoncée à Marie. Oui. Son nom sera. Le nom de la parole d'Allah. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih Issa. C'est-à-dire Jésus-Christ. La parole d'Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Son nom sera Al-Masih. Issa, Jésus-Christ, lui, fils de Marie, illustre, ici-bas, comme dans l'au-delà, Oh, il y a un seul être dans tout l'univers qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà de Dieu. Amen. Il n'y a pas deux, illusions illusées sur la terre dans l'au-delà. C'est Dieu seul. Qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà. Il n'y a pas un prophète hein, qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà, pas Dieu. C'est Dieu seul. Mais le croyant que Jésus-Christ est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà, parce qu'il est Dieu. Maintenant, le Coran dit qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà. C'est qui? Soit 28, soit 10, soit 28 ans. Il y a un seul qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà. Si c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Soit 28, soit 10. Soit 28 ans. Soit 10. Aïa 72 ans. Oui. C'est lui Allah. C'est lui Allah. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Pas de divinité. Pas de divinité. À pas lui. Non, celui-là, à pas, oh, Dieu, à pas lui. Oui. À lui appartient. À lui appartient. La louange. La louange. Ici pas. Ici pas. Contre l'autre. Là. L'autre là. Voici la parole. Voici Allah. Voici le Coran. Amen. Voici le Coran qui dit, oh, c'est Jésus qui est illustre ici, pas comme dans l'au-delà. Le Coran parle de sa divinité. Claire. Vous n'avez pas lu le Coran, on va lire le Coran pour vous.